à Dieu. Merci. Et je le remercie parce que c'est aujourd'hui que j'ai été vraiment délivré. J'ai une grande cour et je me suis dit que d'ici septembre, octobre, il faut que je débarrasse, que les enfants enlèvent un peu la boue et que je fasse un petit, comme on dit, mélanger avec le sable pour qu'il n'y ait plus de boue. C'est ce matin, devant la cour, voilà la porte comme ça, là, à un mètre de la porte. Les enfants, moi je suis derrière en train d'enlever les herbes. L'enfant m'appelle, bon, viens voir. J'arrive, je trouve une petite calebasse avec plein de pièces. Les pièces étaient peut-être même 100. Ça avait déjà fait, les pièces qui sont déjà blanches comme ça, ça veut dire que ça avait déjà fait même 10 ans. Moi, je rends grâce à Dieu et je suis venu me connecter à mon père Daddy que je suis déjà guéri. La santé, je me connecte, puisque ça veut dire qu'ils ont déjà... Il m'avait déjà bloqué pour l'argent parce qu'il avait des difficultés vraiment financières. Je me connecte à mon père financièrement et la santé physique, santé financière et santé spirituelle pour moi et pour toute ma famille. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman, c'est ça ici? On avait déjà fait ça avant. Hein? Je ne sais pas si c'est au même moment qu'on avait fait ça. Ça c'est quoi? Vous avez trouvé ça chez vous? On avait déjà fait ça avant. Vous avez mis ça devant mon portail. On a mis ça devant votre portail. Ouais, ça fait ça. Déjà longtemps. Oui, tenez comme ça. Et aujourd'hui c'était une calebasse. Tenez d'abord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé ça où? Ça, j'avais déjà trouvé ça depuis. Et puis quand je n'étais pas encore. C'est un prêtre qui est venu aussi venir, il a détruit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous d'abord de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça là. Oui, ça s'est passé comment? Ça, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Ça va comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'un jour, bon, quand je travaillais encore, ma voiture était gâtée. Bon, il y avait un voisin qui avait eu deuil. Comme chez nous, pour aller rendre visite à quelqu'un, pour lui souhaiter les condoléances, on part le matin. Bon, quand j'arrive... Bon, le portail était fermé. J'ai ouvert la grande porte. Quand je reviens, moi je n'ai pas remarqué quand je sortais vers 5h30. Quand je reviens, le portillon se trouve ça. Et là, c'était quoi dedans? Il y avait les os, il y avait un poulet noir, un poulet rouge, un tissu rouge et les bougies et les os. Je ne sais pas si c'était les os des hommes ou les os de... Je ne sais pas. Mm-hmm. Parce que les os là, c'est un peu bizarre. Mm-hmm. Ça ressemble à des os, à des ossements humains. Avec les bougies. Filmez-vous, vous voyez les bougies? Mm-hmm. Une, deux, trois bougies, trois ou quatre bougies. Tout autour. C'est-à-dire que quelqu'un est venu faire des incantations devant la porte. Dans la nuit, oui. Quand on prie contre la sorcellerie, les gens s'amusent. Les gens disent non, les églises la dérangent, on abuse des prières. Voici ça, non? Maintenant, vous avez trouvé quoi aujourd'hui? Oui, je dis aux enfants d'enlever un peu la terre pour que je vais un peu enlever la boue avant septembre. Ils trouvent devant la porte une petite calebasse en pot de terre avec plein de pièces. Je veux ramener même ça dimanche. D'accord. Je voulais d'abord que vous me disiez... Le canari là est là. C'est là. C'est là, c'est devant ma porte. Ok, venez avec. Quelqu'un est chez lui, tu veux le tuer avec la sorcellerie. Dimanche, on va prier. Oui, papa. Si vous voulez, je vais vous dire qui fait ça. Dimanche. Oui, papa. Je ne sais pas si c'est utile, oui, mais on peut faire ça. Oui. Dimanche, venez avec le canari, je vous dis. Amen. Regardez. Look. Il y a une maman vendredi qui a trouvé le gris-gris devant la porte de sa maison. Est-ce qu'elle est là? Qu'elle vient avec. Viens avec. Je veux que tout le monde suive. On va prier. Nous allons prier à partir de cette histoire. C'est où? Je
moment, je leur dis de prendre la terre et d'aller mettre dans les... d'entourer les légumes. À un moment donné, devant la porte, voilà la porte comme ça, là mon petit-fils creuse, il me dit, « Hey, Mbombo, il y a l'argent ici. » Quand il remet encore, l'argent commence à jaillir. Allez, fort, mm-hmm. L'argent commence à jaillir. Et puis je leur ai dit, laissez, allez me prendre l'huile de faveur. Comme demain, on ira vendredi chez Daddy, je vais aller lui dire ça. C'est comme ça que je suis venu vous dire ça. On ne sait pas quand il y avait une petite, c'était déjà cassé. Voilà ça. Est-ce que les gens suivent? Ok, maman expliquait, on creusait chez elle, ils s'en étaient travaillés. Et puis l'enfant, en travaillant, a frappé un canari. Et le canari avait des pièces, plein de pièces. Ça, c'est les pièces de combien? Beaucoup d'argent. Ouais, ça, c'est les pièces. Ça sent l'huile vieillie. Lève comme ça. Donc, elle a tout ça, c'est les pièces, avec le canari brisé. All these are coins. Elle a trouvé ça enterré devant la porte de sa maison. She found it buried in front of the door of her house. Chers bien-aimés, lorsque nous prions, when we pray, contre les œuvres de la sorcellerie, against the works of les gens pensent que c'est les jeux. People think it's play. Parce que ça ne les a pas encore touchés. Because it hasn't touched them. Le jour où tu feras face à la sorcellerie, the day you will confront witchcraft, tu comprendras pourquoi nous mettons un grand accent ici sur la prière. You understand? La maman, si c'est pas la première fois qu'elle ait ce genre d'attaque. She has such an attack. Ça, qu'est-ce qui s'était passé pour ceux qui n'étaient pas là vendredi? For those who were not here on Friday. Ça là, c'était un jour, un voisin a perdu sa maman. Comme je n'avais pas eu le temps d'assister aux obsèques, je suis allé un grand matin, 5 heures du matin. Je ne suis pas passé par le portillon. Je suis passé par la grande porte. Et quand je reviens vers 7 heures, je lance un coup d'œil sur le portillon, je trouve ça. Donc voici ce qu'elle a trouvé devant sa porte. Ça, c'est comme l'os du tibia d'un humain, avec like des bougies allumées, avec des plumes de coq. Il y avait quoi et quoi, maman? Il y avait une poule, je ne sais pas si c'était un coq noir, un coq rouge, une bougie noire, une bougie rouge, et une calabasse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, et... des os. Je ne sais pas si c'était l'os du cheval ou bien l'os d'un homme, je ne sais pas. Ça, elle a trouvé ces choses. Quelqu'un la nuit est venu faire des incantations devant sa barrière et a laissé ça. And left it. Vous voyez, il y a un ossement humain, il y a des bougies, human et bones, des coques candles, et beaucoup d'autres gris-gris à l'intérieur, juste devant sa barrière. Just in front of her gate. Dis à ton voisin, les méchants existent. Wicked exists. Je suis d'abord prêtre Bouti. Vous êtes prêtre Bouti. Prêtre Bouti. Bouti, ça veut dire quoi? C'est l'Iboga. L'Iboga, Iboga, c'est encore quoi? Hein, du Gabon, hein? Donc vous êtes prêtre Iboga ou c'est Iboga? J'ai été initié. Initié, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites? La spécialité là-bas, c'est quoi? What is the specialty? Les portes. Hein? C'est moi qui ouvre les portes. Vous ouvrez les portes? Oui, oui. Les portes de quoi? Du bas astral. D'accord, et quand vous ouvrez, ça se passe comment? Bon, je prends celui qu'on va amener. On coupe le tronc de bananier. On fait sous forme de triangle. Mais quand vous regardez, vous voyez que c'est le triangle, mais c'est le cercueil. Donc, quelqu'un qui n'est pas dedans, il voit le triangle, mais c'est le cercueil. Avec le tronc de bananier. Oui. Mais c'est le cercueil. Nous, on sait que c'est le cercueil. D'accord. On vous met là. Parce que c'est moi qui détient le tapis volant. Donc, vous avez le tapis volant. So you have like donc, c'est le tapis qui vole. Non,
non, c'est moi qui détiens le tapis volant. Oui, le tapis volant, c'est quoi? What is a flying c'est avec carpet? Ça, bon, c'est comme une brèche entre le monde physique et l'autre côté. L'autre côté, c'est quel côté? The other side is which bon, side? Il y a plusieurs dimensions. Il y a ce qu'on appelle l'au-delà, il y a beaucoup de choses. D'accord. Mm-hmm. Et donc, vous, quand vous mettez quelqu'un dans le cercueil, qu'est-ce qui se passe après? On l'amène dans. Et quand on va, c'est comme si on accueillait, quand on accueille le président de la République. Mm-hmm. Il y a les enfants, on encense, on jette des fleurs, on amène la personne, on les décapite. Vous allez et vous décapitez la personne. Oui, c'est ouais, comme l'hôpital de l'autre côté. Et quand vous décapitez. Et moi, mon travail, c'est. Je râpe les tibias. Je râpe les tibias. Vous râpez les tibias? Oui. Et après, ça devient la poutre. Hein? La poutre. Quand je râpe, ça devient poudre. Comme la poutre. Ça devient comme la poutre. Oui. Et vous faites quoi de cette poudre? Avec cette poudre, il y a des gens qui viennent la chercher. Parce qu'en même temps, ce sont des gens qui sont dans un cercle ésotérique où tous le connaissent. Onzième degré. Hein? Onzième degré. Vous êtes onzième degré. Onzième degré. Il n'y a pas de problème, même si c'est 30e degré. Et en passant, j'y allais, je suçais les clitoris féminins. Vous faites quoi? Quand on suce les clitoris féminins, oui. Après avoir sucé, je ne crache pas. Il y a un bol sur lequel je crache. Les clitoris oui. Féminins. Oui. Et là, je ne crache pas au sol. Vous ne crachez pas au sol. Oui. Vous il y a un bol, on récupère juste la salive. Et quand vous récupérez, vous faites quoi de ça? C'est toujours dans la loge, il y a des commerçants qui viennent récupérer. Quand vous sortez la nuit, vous sortez la nuit pour faire quoi? On sort la nuit pour marier les gens. Vous les mangez comment? Vous les tuez comment? On peut les prendre, on peut aller où on passe souvent. Vous partez souvent où? On passe souvent à côté de l'école. De l'école. Et quand vous arrivez à côté de l'école, vous faites quoi? On les prend, on les découpe. Vous les découpez avec quoi? Avec le couteau. Avec le couteau? Oui. Et quand vous les découpez avec le couteau, après vous faites quoi? On les mange. Ok. Dans la famille, on t'a demandé de faire quoi? Tu as fait quoi aux gens? On a dit qu'il détruit toute ma famille. Que tu les détruis en faisant quoi? En les donnant. En les donnant dans la sorcellerie? Oui. Tu as donné déjà qui? Je voulais donner mon grand frère. Lequel? Lequel? Celui qui... Hein? Celui qui est derrière moi. Celui qui est derrière, celui-ci? Oui. S'il vous plaît. Il ne connaît pas encore, mais elle a dit qu'elle le donne en premier. Que tu le donnes en premier? Oui. Et tu vas le donner quand? When will you give him? Le jour qu'ils vont me demander. Le jour qu'ils vont te demander, c'est le jour où tu vas donner? Oui. Mm-hmm. Et quand tu vas donner, on va faire quoi? Vous allez le manger? Oui. Toi, tu vas manger quelle partie? La cuisse. La cuisse.
Vous riez, mais voici un sorcier sincère. Il dit la partie de son grand frère qui va manger bientôt. Il a dit qu'il a pris mon cœur, il l'a mis dans un kumbu. Tu as fait quoi avec son cœur? J'ai pris son cœur. J'ai mis dans un kumbu. Parce que elle m'avait dit que je prends. Que si elle réussit à la prendre pour qu'elle vienne avec nous, c'est là qu'on la remet. Pas de cœur. Et tu as pris son cœur? Oui. Le kumbu là est où? Oui, exactement. C'est là où on part. C'est là où vous partez. Il dit qu'il a 4 génies. Hein? Il dit qu'il a 4 génies. Tu as combien de génies? 4. Ils sont où? Regardez. Ils sont où? C'est sur moi. C'est sur toi. Hein? Qu'est-ce que tu as fait ici, chez ton grand frère-ci? J'ai décrit son salaire. J'ai bloqué son salaire. Tu as bloqué son salaire. Votre salaire est un problème. Depuis, payer même le loyer, c'est impossible. Hein? Payer le loyer, c'est impossible. Même payer le loyer, c'est... Oh, avant, je payais, mais avant le juge. Vous savez, les sorciers sont des agents de Satan au niveau. Agents of Satan, the higher level. Tu as fait quoi sur celle-ci? On this one. J'ai dit que elle ne va pas avoir, elle ne va pas se marier. Et quand vous partez dans la sorcellerie, vous partez faire quoi? Pour le moment, aucun domaine, c'est la divination, donner les fausses prophéties. Votre domaine, c'est les fausses prophéties. Oui, c'est beaucoup varié, mais c'est beaucoup dans les fausses prophéties. Ok, ça se passe comment les fausses prophéties? C'est quoi les fausses prophéties? Prophéties renversées dans la vue de la destruction de la personne. Ça veut dire quoi, prophéties renversées? Laissez-moi connaître. Faut nous expliquer, prophétie renversée, c'est quoi? Par exemple, on peut m'envoyer dans un ministère pour venir et créer le téléstage. Créer? Le téléstage. Oui. Donc, quand je viens, dès que j'arrive là, ça se manifeste. Attendez. Oui. Hein? Vous suivez? Ils disent que c'est vous qui avez coupé la lumière ici. Vous faites comment dans la sorcellerie? Vous vous attaquez les gens comment? On parle et tue avec la hache et la machette. Ouais, il dit on parle et tue en souriant. Et quand vous tuez la personne dans la sorcellerie physiquement, qu'est-ce qui se passe après? Il meurt après même 2 jours. Vous sortez la nuit, vous partez faire comment? On arrache la chair des gens. Vous arrachez? La chair des personnes. Avec quoi? Le couteau. Et quand vous arrachez, vous faites quoi avec? On fabrique les cercueils, on les met dedans. Et quand vous les mettez, après, qu'est-ce qui se passe? On va les jeter dans la mer. Et après, qu'est-ce qui se passe? After what happened? On boit le sang. Vous avez tué combien de personnes dans la sorcellerie? 1000 personnes. Petit, qui t'a mis dedans? C'est mon père. Ton père? Oui, papa. Et vous sortez faire quoi? On sort. Quand on sort,
on va nous laisser dans une maison. Et on part avec les couteaux, les machettes pour aller tuer. Quand on part tuer, on vient nous dire que on va manger. Mais on nous donne souvent les doigts. Les doigts? Oui, papa. Et quand vous mangez, c'est comment? C'est sucré. Oui, papa. Vous mangez ça avec quoi? Avec le riz ou le plantain? What do you eat with rice or plantain? On mange ça comme ça là. Mangez ça simple. Eat it simple. Quand vous voyez un enfant comme ça parler avec clarté, précision, il joue pas, il sait de quoi il parle. C'est un monde comme notre monde. C'est un monde, notre monde, les sorciers. Word, ils ont le monde. Like... Tu es dans la sorcellerie? Oui, papa. Qui t'a mis? Une femme dans mon quartier. Elle t'a mis comment? Ça s'est passé comment? Elle était chez elle, elle a préparé la nourriture, elle nous a donné, et c'est là qu'elle a commencé à nous amener comme on dormait. Donc, elle a préparé la nourriture, elle vous a embouché, elle vous a mis dans la sorcellerie, pas la nourriture, elle a donné la sorcellerie. Et quand vous sortez, vous faites quoi? On part à l'arbre de Tarzan. Hein? On part à l'arbre de Tarzan. L'arbre de Tarzan? Mozart. L'arbre de Tarzan, c'est quoi, petit? C'est un grand arbre à l'entrée du Kansi. C'est un grand arbre à l'entrée du Kansi? Quel Kansi? Kansi-Lonka. Quelqu'un connaît le Kansi-Lonka? Il y a un arbre là-bas. Hein? Ça a beaucoup de lianes, hein? Là-bas, vous faites quoi? And when you go there, what do you do? On lance la maladie aux gens. Vous lancez les maladies aux gens. Et vous les lancez les maladies comment? Vous les lancez les maladies comment? Ça se passe comment? The disease? How does it happen? La femme du quartier là, il y a parfois, il y a une grande mamie comme ça là. Après maintenant, on voit dedans, elle lance la poudre. Vous voyez les gens dans la mamie là? Et elle lance quoi? Elle lance une poudre noire. Elle lance une poudre noire. Oui. Et ça se passe comment après? La personne tombe malade. La personne tombe malade. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? And later on, what happens? Après, maintenant, la personne tombe malade. Et il doit s'en aller à l'église pour que ça finisse. Sinon, ça va jamais finir. Donc, si la personne ne va pas à l'église, ça ne finira pas. Oui. Oui. Qui t'a mis dans la sorcellerie? Who puts in which card? La voisine. La voisine? Oui, papa. Ça s'est passé comment? Quand on a opéré ma mère, puisqu'elle avait lancé une malédiction dans la maison que personne n'accouchera par voie normale. Et on a opéré ma mère. Quand je suis sortie, elle était la première personne à me porter. How did she initiate it? Elle me donnait la viande dans la nuit et le jus, qui était en véritablement le sang des êtres humains qu'elle mangeait. Et quand vous passiez dans la sorcellerie, qu'est-ce que vous faisiez aux gens? What were you doing? On lançait le sida, le veille, l'hépatite, le chlamydia. Et quoi encore? Et plusieurs autres maladies. On lançait la drogue aux autres personnes et l'abus de l'alcool. On tuait les gens avec une grosse marmite. Elle utilisait toujours un poignard qu'elle gardait dans son cabas. On lançait le nom de la personne et quand la personne apparaîtrait, elle piquait le couteau sur la poitrine de la personne et il mourait. Quand vous partez dans la sorcellerie, vous faites quoi aux gens? Dès qu'on voit une personne, dès qu'il est lucide, on lui prend, on lui met au champ, on coupe son cou. Vous lui prenez, vous lui mettez où? Au champ, on coupe son cou. Et quand vous coupez le cou, faites quoi après? Dès qu'on coupe le cou, on prend la tête, on va garder. Toi, tu as déjà coupé combien de têtes? How many heads have you cut? 4 têtes. Et tu tuais comment? How are you killing? On part dans ta maison. On a un cas. Le cas là, c'est le mille pattes. Dans votre cas, c'est le mille pattes. So your boss is the millipede. Les autres ont les costets, eux ils ont les mille pattes. Et quand on vient dans ta maison, on te prend. Donc on vient jusqu'à 5. On te prend.
on te met dans le car. On part avec toi, on part avec toi. Avant qu'on va venir te prendre, avant qu'on va te prendre, le chef appelle d'abord ton nom. Quand il appelle ton nom, ton visage apparaît sur le miroir. Et quand ça vient, après on te voit, on dit que c'est lui on doit tuer. Et c'est moi qu'on donne la machette. Et quand on te donne la machette, tu fais comment? I want to give you the cut, la soie de Yoto. Je coupe. Tu coupes. Tu veux, quand le gars dit, je coupe. Ding. Nous rions, mais beaucoup de membres de nos familles meurent sous nos yeux, égorgés par les sorciers.